Good morgen! Allez, Idan, les suites aujourd'hui, le Nishmat, Richard, bonne fortune, Mazal, Claude, Israël, bonne fortune, Mazal. Si vous souhaitez vous aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles. Nous étions Messer Tani, Rakalef, Mishnah Gimel. Bishlocha, Bemarche, Jvan, Shoalin, Atageshamim. Rabban Gamliel Omer, Bishiv, Abo, Chamisha, Saryom, Achar, Echag. Kedesh, Yagia, Acharon, Shebe Israël, Le Nahar, Perat. Mishnah qui va venir conclure le sujet évoqué maintenant dans les trois précédentes Mishnayot, à savoir jusqu'à quand, à partir de quand commence-t-on à prier concrètement pour la pluie. Pour rappel, il y a, dans Atagibor, on mentionne, on glorifie Hachem le fait de nous faire tomber la pluie. Il y avait une marque dans la Mishnah Aleph. Est-ce qu'on fait ça depuis le premier jour de Sukkot ou de le dernier jour de Sukkot? On avait vu dans le début de la Mishnah Bet que, malgré tout, selon Rabbi Yoshua, il y avait en fait, à partir de quand commence-t-on à prier pour la pluie concrètement, la Mishnah me disait, ben, depuis que la saison de pluie commence, que tu commences à évoquer Mashivarach ou Negeshem, en deux mots, depuis le lendemain de Sukkot, à Sukkot on ne prie pas pour la pluie concrètement, parce qu'on juste on évoque la gloire de la pluie, mais on ne demande pas, il n'y a pas des bakashot, mais on est tfilot de Yom Tov, tu finis Sukkot, tu commences déjà à prier pour qu'Hachem fasse tomber la pluie. Ça c'était les avis qu'on a évoqués dans la Mishnah précédente. Et bien maintenant la Mishnah va penser différemment, elle va me dire, non, depuis le Bishlosha Bemarcheshvan, depuis le 3 Cheshvan, Shoalim et Ageshamim, on commence à demander la pluie, qu'Hachem nous fasse tomber la pluie. En fait, on finit Sukkot, on commence peut-être à évoquer Mashivar Chomarim, mais on ne prie pas encore pour la pluie. On attend encore un petit peu jusqu'au 3 Cheshvan, et sur ça, il y a Rabban Gamliel Omer, Beshiva Bo, tu attends le 7 Cheshvan, qui correspond à Chamisha Asaryom Acharechag. 15 jours après la fête de Sukkot qui s'est finie, 15 jours après, tu commences maintenant à demander la pluie. Pourquoi? Afin que le dernier des Bnei Israël réussisse à rejoindre le Nahar Perat, le fleuve du Perat. De quoi on parle? C'est très simple. Il y avait les Bnei Israël qui montaient à Yerushalayim pour les fêtes. Lorsqu'ils montaient pour les fêtes, ils montaient à pied, bien sûr, avec les moyens de l'époque. C'était avec les ânes, avec toute la famille, et ça prenait plein de temps, et ça marchait doucement. Il y avait des... Comment ça se dit J'ai oublié le mot. Des chayarotes. Je n'ai pas le mot en français. Des convois. D'accord? Il y avait des convois. Merci pour depuis la cuisine. Il y a des convois comme ça, qui les gens ils rentraient chez eux. Maintenant, ça prend du temps pour avancer. Les gens... qui avait, pour partir jusque, qui était au Nahar Perat, que je ne sais pas où il est le vrai Nahar Perat de l'époque, c'est pas précisé non plus, ça prenait jusqu'à 15 jours pour quitter Yerushalayim et rejoindre le Nahar Perat. Du coup, c'est pas sympa. Les gens, ils ont fait l'effort de venir jusqu'à Yerushalayim, tu vois, et pour qu'Hachem, ils envoient la pluie maintenant, et ça va leur tomber sur la tête en pleine route, il va y avoir de la boue, de la gadoue, comment ils vont partir? Alors du coup, on ne prie pas, on commence pas à demander la pluie, jusqu'à que passe 15 jours, après Sukkot, de manière à ce que les derniers pèlerins qui sont montés à Yerushalayim puissent rejoindre leur ville. Et seulement après, tu commences à demander la pluie. C'est comme ça d'ailleurs qu'on retient pour la Halakha en Israël. Pour Chutz La'aretz, alors là, c'est une autre histoire. Ils avaient un minag à Babel, étant donné qu'en Babel, en Babylonie, à l'époque, il y avait soit les habitants de Yerushalayim, soit les habitants de Babel. Il n'y avait pas tellement d'intermédiaires. Il y avait un peu de juifs éparpillés, mais en tout cas, c'était les deux grands centres de Torah avec les Minagim, chacun selon sa ville et tout ça. Il y avait donc depuis le 3, excusez-moi, là-bas à Babel, c'était un pays où il y avait beaucoup de pluie, beaucoup d'eau, il n'y avait pas beaucoup de pluie, excusez-moi, il y avait beaucoup d'eau, c'est un sol où la Gemara raconte. Dès qu'on creusait, on trouvait de l'eau à Babel, en Babylonie. Du coup, la Mishnah nous dit, on ne priait pas pour qu'il y ait de la pluie qui tombe, juste à la dernière limite, ça correspond à 60 jours après la Tkoufat Tishrei. Les saisons, selon la Torah, elles sont séparées en fait en Tkoufot, il y a 4 Tkoufot, 4 saisons, tous les 61 jours, je crois, 60 jours et demi, 61 jours et demi, l'équivalent en fait de 360 jours, ça correspond à des dates solaires, c'est toujours quasiment plus ou moins les mêmes dates. 60 jours après, ça correspond en fait, ça fonctionne selon le calendrier solaire, le fameux usage de sous la nuit du 4 au 5 décembre, au 5 ou 6 décembre, que seulement on commence à prier pour la pluie depuis cette date-là.
Ça vient, tout ça, ça provient du minhag de Babel de l'époque, qu'on ne priait pas pour la pluie, puisqu'on n'avait pas tellement besoin, jusqu'à la dernière limite. D'accord ? C'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Salam.